Bonjour, il est 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de ce journal. Cette déclaration, le temps s'est arrêté, mon étoile, je t'aime, ce sont les mots déchirants de Séverine, la maman de Lucas, lors de la marche blanche qui a eu lieu cet après-midi à Épinal dans les Vosges, un moment de recueillement. Après le suicide de l'adolescent, victime de harcèlement scolaire en raison de son homosexualité, 550 personnes ont participé au rassemblement. Un message de prévention également a été adressé aux parents et aux victimes de harcèlement. Nous retrouverons notre envoyée spéciale Adélaïde Malavo dans ce journal. Dans l'actualité également de ce dimanche, Elisabeth Borne lâche du lest à la veille de l'arrivée du projet de réforme des retraites dans l'hémicycle. La Première ministre affirme qu'elle va bouger sur le sujet des carrières longues, une proposition qui ne satisfait pas certains députés LR. Près de moins 80 degrés de température ressentie au sommet du mont Washington aux États-Unis. Les températures ont atteint des records de froid dans le nord-est du pays, un phénomène lié à un vortex polaire accompagné de rafales de vent qui ont parfois atteint les 200 km/h. Les images sont impressionnantes, on vous les montrera dans ce journal. Mais tout d'abord, donc, retour à Épinal, dans les Vosges, où cette marche blanche a eu lieu cet après-midi en hommage à Lucas, cet adolescent de 13 ans qui s'est donné la mort le 7 janvier dernier, victime de harcèlement scolaire, notamment en raison de son homosexualité assumée. 550 personnes ont participé à ce moment de recueillement. Adélaïde Malavo, on vous retrouve sur place. Vous êtes notre envoyée spéciale à Épinal. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont participé à cette marche tout à l'heure. Et surtout, il y a eu ce moment de grande émotion lorsque Séverine, la maman de Lucas, a pris la parole pour adresser des mots en hommage à son fils. Effectivement, vous le voyez derrière moi, la place devant la préfecture est complètement vide. Les participants sont rentrés chez eux après près d'une heure et demie de marche blanche. Et vous l'avez dit, plus de 550 participants qui étaient venus témoigner leur soutien à la famille de Lucas et notamment à sa maman Séverine, qui était à l'origine de la commémoration. Elle a pris la parole pour défendre une nouvelle fois les convictions de son fils. Je vous propose de l'écouter. Je ne m'attendais pas à autant de personnes. Et voilà, battez-vous, vivez heureux et libres. Ayez le courage vraiment de vous battre pour ce que vous voulez être et ce que vous êtes. N'ayez pas peur et voilà. Et merci vraiment à tout le monde. Oui, je me sens très soutenue et bien entourée. C'était un hommage très digne cet après-midi à l'image de votre petit garçon. Oui, c'est ce qu'on voulait de toute façon et c'est ce qu'il mérite. Des propos qui, vous vous en doutez, ont engendré une émotion très vive dans le cortège. Les participants, quant à eux, avaient relativement respecté la consigne de la maman de se vêtir de vêtements clairs ou même de vêtements blancs. Bien sûr, tous ne connaissaient pas le jeune Lucas. Certains avaient entendu parler de son histoire par les médias, l'école ou même la région, mais étaient tous là pour venir témoigner leur soutien à la famille et porter collectivement une dernière fois son combat. Merci beaucoup Adélaïde Malavo à Épinal pour BFM TV avec Juliane Roland. La marraine de Lucas a également pris la parole lors de cette marche blanche. Elle a loué les qualités de Lucas et a aussi lancé un appel à tous les enfants qui seraient concernés par le harcèlement. Écoutez. Sa disparition nous bouleverse au plus profond de notre cœur. C'est un gouffre de tristesse à chaque instant. Je t'écris aujourd'hui cette lettre pour te dire adieu mon bébé. Pas un adieu éternel, mais un adieu par la parole. Tu resteras avec nous dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos souvenirs et surtout dans nos cœurs. Ce que j'aimerais vous dire à tous, protégez vos enfants et surtout les enfants. Parlez énormément à vos parents si vous avez des soucis, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, mais parlez s'il vous plaît. Protégez vos enfants s'il vous plaît, merci. Et éduquez vos enfants surtout. Voilà pour ces prises de parole, donc qui se sont notamment ponctuées par ces demandes à éduquer, à protéger ses enfants. On est toujours avec Farida Amiour, psychologue clinicienne, également avec Florence Rouas, avocate pénaliste et enseignante. Et nous a rejoint également cet après-midi à distance Lucille Jomat. Vous êtes présidente de l'association SOS Homophobie. Je voudrais commencer avec vous parce que il y a cette composante dont on a assez peu parlé cet après-midi. C'est à la fois donc du harcèlement scolaire qu'a subi le jeune Lucas. Mais il parlait également de son homosexualité ouvertement au collège. Et c'est ça qui lui a valu ces moqueries, ce harcèlement. C'est aussi une problématique d'importance pour les jeunes adolescents de parler de leur orientation sexuelle. Oui, bien sûr, c'est une problématique. Il est nécessaire que les jeunes se sentent en sécurité pour en parler déjà. Et malheureusement, des fois, quand ils en parlent, ça entraîne du harcèlement ou même des insultes. Voilà, c'est encore un phénomène qui est trop important dans le milieu scolaire. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'il faut attendre le suicide d'une personne, en l'occurrence d'un jeune garçon de 13 ans, pour que les choses bougent, ou en tout cas qu'on en parle
plus qu'avant. Exactement, exactement. Il y a eu le même phénomène l'année dernière avec le suicide d'une jeune fille, également parce qu'elle était lesbienne, où on a eu la mise en place du plan phare. Mais en fait, on ne peut pas attendre qu'il y ait des suicides pour faire avancer les choses. C'est important qu'on fasse avancer de manière continuelle les choses pour qu'il n'y ait plus de discrimination à l'école. Justement, vous, dans le contexte de votre association SOS Homophobie, qu'est-ce que vous faites ? Peut-être quel message de prévention vous adressez aux établissements scolaires ? Alors nous, on fait des interventions au milieu scolaire déjà, donc on intervient dans de nombreuses classes, on sensibilise à peu près 30 000 élèves hein, tous les ans, justement pour déconstruire les stéréotypes de genre qui sont à l'origine de toutes ces discriminations. Et également, je tenais à dire qu'on a également une ligne d'écoute donc, qui permet aux jeunes qui en ont besoin de pouvoir nous appeler, donc qu'ils puissent avoir un accueil bienveillant et qu'on puisse échanger, qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur coin. Donc voilà, c'est important de montrer qu'ils sont passés. C'est quoi le numéro de cette ligne d'écoute ? Alors, le plus facile, c'est d'aller sur notre site internet. On a une ligne d'écoute, on a un chat, on a un courriel donc, qui permettent aux jeunes de pouvoir avoir des informations et aux moins jeunes, bien sûr. Hein. Et sinon, la ligne d'écoute, c'est le 01 46 06 42 41. Et le site internet de SOS Homophobie. Ouais, numéro bien noté. Vous restez avec nous, hein, Lucille Jomat, 01 46 06 42 41 pour ce numéro. On en parle également avec Farida Amiour en plateau, Florence Oise qui sont toujours avec nous. On le disait, il y a eu une enquête, évidemment. Quatre camarades de Lucas qui vont être jugés pour harcèlement. Et puis, il y a Florence Oise, depuis mars 2022, cette nouveauté qui est très importante, cette loi qui a instauré un délit désormais pour harcèlement. Oui. Harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire, oui, tout à fait. Depuis mars 2022, on a un délit spécifique de harcèlement scolaire qui reprend également ce qui est prévu en matière de harcèlement de façon plus générale, si vous voulez, qui vise également le harcèlement en général, donc dans le contexte, mais s'appliquant au cadre scolaire. Voilà. Et c'est depuis mars 2022 que le harcèlement scolaire a été codifié. Farida Amiour, qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant est harcelé ? Quand on est parent, comment est-ce qu'on peut éviter de ne pas passer à côté ? Alors déjà, c'est de se référer à l'établissement scolaire, parce que si les faits ont lieu dans l'établissement scolaire, il faut aviser le personnel, le CPE, les aides à la vie scolaire, de manière à ce qu'il y ait une vigilance et des actions mises en place. Et puis, c'est vrai que souvent, moi, ça m'est arrivé notamment... au cabinet, d'avoir une maman dont l'enfant est harcelé, de lui conseiller, bon, on l'évoquait tout à l'heure, de changer d'établissement scolaire. Parce qu'à un moment donné, il y a une urgence, là, il peut avoir une vraie détresse psychique, on voit jusqu'où ça peut amener avec le triste exemple de Lucas. Et le harcèlement, c'est vrai que l'ado lui-même, la victime, ne va pas forcément s'en plaindre parce qu'il va avoir honte et souvent adhérer à ce qu'il reçoit en permanence, c'est-à-dire qu'il va finir par être convaincu qu'il mérite ça, que si on le traite de telle ou telle chose, ben finalement, c'est la réalité. Et du coup, ça n'aide pas forcément. Donc, les parents doivent porter attention sur le changement de comportement de leur enfant. S'il se referme, s'il refuse de sortir, s'il ne va plus aux repas familiaux, il s'enferme dans sa chambre, un fléchissement scolaire, un comportement inhabituel qui tranche avec ce qu'ils connaissent de leur enfant, ça doit être une alerte. Alors ça peut être pour d'autres raisons, puisque encore une fois, l'adolescence, c'est une période très vulnérabilisante, donc ça peut être très compliqué, rien que parce qu'ils traversent une période adolescente, mais ça peut être des signes aussi de ce qu'ils vivent au sein de l'établissement scolaire. Alors, on voyait avec Maître Roisse, l'enquête est en cours. Il y a ces quatre enfants, des adolescents assez jeunes qui sont donc concernés par cette mise en cause, qui vont être jugés. L'avocate de la famille de Lucas était présente également tout à l'heure hein, dans cette marche blanche. Elle s'est exprimée et elle a reconnu qu'il y aurait un temps de la justice, de l'action, mais qu'il viendrait après ce temps de recueillement. Il y aura un temps. Il y aura un temps de l'action pour lutter contre ce fléau qui est le harcèlement moral, harcèlement scolaire. Par différents moyens, l'homophobie en est un, c'est un problème qui est vaste. Le temps de l'action, mais de l'action aussi pour donner des moyens à l'institution de lutter contre ce fléau, parce qu'on a besoin de moyens et on va agir dans ce sens-là. Lucille Jomat, vous êtes toujours avec nous, présidente de SOS Homophobie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore aujourd'hui pour éviter de tels drames ? Alors, c'est
ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la formation. La formation et la sensibilisation, à la fois de tous les personnels qui sont dans les établissements scolaires, mais également des jeunes, pour qu'il y ait plus ce sentiment de pointer un jeune du doigt parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il est transgenre. Donc ça, c'est vraiment important que les jeunes prennent conscience qu'on est une personne LGBT, mais qu'on est une personne normale. Et aussi, ce qui est très important et ce qui remet les choses à plat, surtout chez les jeunes, c'est de rappeler que l'homophobie et la transphobie sont punies par la loi et que ce ne sont pas des opinions. Et rappeler la loi et le cadre légal, souvent, permet aussi de réduire les discriminations. Merci beaucoup, Lucile Jomat, de nous avoir apporté votre témoignage cet après-midi. Merci également à Florence Roas et à Farida Amiour. On vous retrouve dans notre prochain journal. On rappelle juste ces numéros très importants. Si vous êtes concerné de près ou de loin par ces fléaux du harcèlement scolaire, le 30-20, donc pour parler de harcèlement scolaire, le 30-18 pour parler du cyberharcèlement, parce que ça ne s'arrête pas forcément à l'école. Le 31-14, nous rappelait tout à l'heure Farida Amiour, le numéro d'écoute donc pour les personnes suicidaires, les proches de personnes suicidaires ou encore les professionnels. Et puis également donc, le contact de l'association SOS Homophobie avec ce numéro d'écoute, le 01 46 06 42 41. On parle également dans l'actualité de ce dimanche des retraites. Nous allons bouger sur les retraites, c'est ce que dit aujourd'hui la Première ministre Elisabeth Borne dans le journal du dimanche, à la veille bien sûr de cet examen du projet à l'Assemblée nationale. Elle semble lâcher du lest, notamment sur la question des carrières longues. Elisabeth Borne affirme avoir entendu la demande des Républicains. Nous allons bouger en étendant ce dispositif de carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans, dit-elle donc dans le JDD. Et puis le député Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, a fait partie des frondeurs républicains opposés à cette réforme des retraites telle que proposée en l'état par le gouvernement. Sur notre antenne, il estimait que malgré cette concession de la Première ministre sur les carrières longues, non, le compte n'y est pas encore. Non, c'est pas suffisant parce que l'amendement qui a été signé par l'ensemble des députés Les Républicains visait à permettre à tous ceux qui ont commencé à cotiser avant 21 ans de ne pas travailler plus de 43 annuités. Et la réalité, c'est que ce petit geste qui est fait sur les carrières longues est un geste qui ne permet pas à toutes celles et ceux qui ne rentrent pas dans le dispositif carrière longue de ne pas avoir à cotiser 44, 45, 46 annuités. Vous savez, pour être dans un dispositif carrière longue, il faut avoir cotisé avant l'âge X ou Y, donc là, elle remonte de 20 à 21 ans, au moins 5 trimestres, oui, mais 5 trimestres à hauteur SMIC. Et donc, quand vous êtes apprenti, par exemple, vous n'êtes pas à hauteur SMIC, surtout quand vous avez moins de 18 ans. Et donc, on va demander toujours à ces personnes de continuer de cotiser 44, 45, 46 annuités. Donc, on continue de faire porter l'effort de la réforme sur celles et ceux qui ont les métiers les plus pénibles, qui ont commencé le plus tôt, qui sont souvent les plus cassés par le travail, et c'est évidemment très insatisfaisant. Réaction du côté des syndicats également, la CFDT sur France Inter, Laurent Berger a répondu à cette concession de la Première ministre. C'est loin de répondre au problème de fond de cette réforme des retraites, selon lui. Ça ne répond pas à la préoccupation qui n'est pas seulement la mienne, qui est celle de milliers, de centaines de milliers, de millions de travailleurs de ce pays qui pensent que le report de l'âge légal est la mesure la plus injuste qui les impacte. Mais ça veut dire que ceux qui ont commencé avant 18 ans, eux, ça reste 44 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'illustre, voire plus. Mais c'est l'illustration qu'on est face à une réforme qui prend le paramètre le plus injuste qui est l'âge et qui ensuite s'aperçoit que ce paramètre le plus injuste va créer des distorsions, va pas mettre fin, loin s'en faut, aux inégalités qui sont déjà existantes dans le système actuel, mais va les accentuer. Et les opposants à la réforme se mobiliseront de nouveau la semaine prochaine avec une troisième journée de grève et de manifestation syndicale, journée spéciale à suivre sur BFM TV. Ce sera ce mardi en direct toute la journée avec l'ensemble de nos équipes sur le plateau et en terrain, sur le terrain. À suivre sur BFM TV, évidemment. On parle aussi de cette actualité à l'étranger, le froid polaire qui se poursuit dans le nord-est des États-Unis en cause un vortex polaire, un coup de froid venu de l'Arctique et qui a provoqué une chute vertigineuse des températures avec des records atteignant à certains endroits au sommet du mont Washington, une montagne située à près de 2000 mètres d'altitude dans l'état du New Hampshire. Les moins 42 degrés ont été atteints avec des rafales s'approchant des 200 km/h apportant un ressenti de moins 80 degrés. Là, on n'est pas bien. On a du mal à imaginer. Jules Boiteau. Une fumée blanche, aussi appelée fumée arctique, plane au-dessus de la rivière Charles dans la ville de Boston. Hier, le thermomètre affichait moins 15 degrés. Les habitants se faisaient rares dans les rues. Dans l'état du Maine, les habitants s'amusent à voir l'eau bouillante gelée en une fraction de seconde.
À quelques kilomètres de là, un nouveau record vendredi. Moins 43 degrés enregistrés autour de cet observatoire. Mais avec des vents à 200 km/h, le ressenti atteint les moins 80, une température à laquelle l'humain ne peut résister que quelques minutes. La vague de froid polaire s'abat sur tout le nord-est du continent américain. Au Canada, de violentes tempêtes ont balayé Montréal ces derniers jours. Hier, le beau temps était revenu, mais les températures descendaient encore sous les moins 20 degrés. Installé depuis plusieurs années dans la ville, ce Français a rarement ressenti un tel froid. Je pense que je suis resté à peu près 15-20 minutes jusqu'à 30 minutes si tu restes en action. Ce que je vois, donc, c'est des passants motivés, vous voyez, des gens qui sont plutôt bien couverts. Et puis des routes qui sont, comme vous voyez, enneigées, mais qui sont traitées hein, pour que tout soit empruntable. Les compagnies d'électricité s'attendent à un pic de consommation historique. Les autorités, elles, appellent les habitants à rester prudents jusqu'à ce que les températures remontent dès le début de la semaine prochaine. Alors comment ce vortex polaire peut-il entraîner des températures aussi extrêmes? Les explications du spécialiste météo François Gourin. Eh ben, il y a un bout de ce vortex polaire, ce qu'on peut dire un décrochage d'air polaire en fait, qui a migré vers les régions plus au sud, vers l'est des États-Unis, emportant dans son sillage, je dirais, de l'air exceptionnellement froid, hein, puisqu'on est, on s'est approché de records par endroit. Ce qui est très rare, c'est l'intensité de ce froid. Le vortex lui-même, il existe tous les ans et il y a des décrochages d'air du vortex comme on l'a connu là tous les ans. Mais c'est l'intensité de cet air froid qui est pour le coup assez exceptionnelle. Tout de suite, votre chronique santé. Prenez soin de vous. Votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. Votre programme avec CBD.fr, le bonheur pour tous. Oui, tous. CBD.fr. Ces idées reçues concernent essentiellement des modes de vie comme le tabac, l'alcool ou le soleil. Qui, on le sait, augmente le risque de cancer. Et c'est là où chacun a un peu son idée ou son interprétation. Alors si on prend le tabac, 80% des interrogés pensent que fumer favorise l'apparition d'un cancer, ce qui est vrai, 48 000 nouveaux cas de cancer par an. Mais ce qui est très surprenant, c'est pour les fumeurs, ce risque n'existerait qu'à partir de 9,2 cigarettes en moyenne par jour. Et même pour 1 sur 5, eh bien, ce serait à partir du paquet, c'est-à-dire 20 cigarettes par jour. Or, le risque, bien évidemment, c'est dès les premières. Avec cette autre erreur de penser que le plus dangereux, c'est le nombre de cigarettes par jour. Alors, ça l'est, mais ce qui compte le plus, c'est la durée d'exposition au tabac. Quand cette durée est double, par exemple, le risque de cancer est multiplié par 20. Enfin, plus de la moitié des sondés pensent que faire du sport permet de nettoyer les poumons. Alors vous serez peut-être un peu moins essoufflé, mais le seul moyen, bien évidemment, c'est d'arrêter de fumer. Plus tôt on arrête, plus vite on retrouve une capacité respiratoire normale. Et en plus, au bout de 5 ans, le risque de cancer est divisé par 2. Autre idée reçue, cette fois-ci avec la e-cigarette. La nicotine serait cancérigène. Alors là, on confond la possible addiction, ce qui est vrai, et puis le cancer. Ça, c'est avec la combustion du tabac, le monoxyde de carbone et les goudrons. Pour l'alcool, 8 personnes sur 10 pensent que violences et accidents de la route sont les principaux dangers de l'alcool. Eh bien, c'est faux. On dénombre 41 000 décès liés à l'alcool, dont 16 000 par cancer. Le reste sont les maladies cardiovasculaires et les maladies digestives. Mais seulement, si j'ose dire en termes de nombre, 5 200 décès par accident, violence ou suicide. Alors, on rappelle la règle classique, pas plus de 10 verres par semaine et 2 jours sans boire. Enfin, un petit mot du soleil, alors même si ce n'est pas vraiment la saison, les UV du soleil et des cabines sont bien reliés au risque de cancer de la peau. Mais pour beaucoup, faire des UV avant les vacances permet justement de préparer la peau pour se protéger du soleil, ce qui est faux. Le soleil en excès restera tout aussi dangereux. Tout cela montre bien que, eh bien, on peut tout à fait être acteur de sa santé. Nous, on se retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. C'était votre programme avec CBD.fr. Le bonheur pour tous. CBD.fr. Tout de suite, la météo. La météo avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. Compex.
La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. Et c'est confirmé, donc le retour du soleil sur la majeure partie du pays. Après déjà une belle amélioration ce dimanche, eh bien ça va se confirmer dans le courant de ces prochains jours. Alors on va conserver quand même un petit peu de vent entre Corse et continent. Encore de bonnes rafales hein, localement ce lundi matin jusqu'à 100 km/h. Un ciel chargé qui va rester assez présent sur les Pyrénées avec quelques chutes de neige à basse altitude sur les Pyrénées orientales. Beaucoup de nuages sur le centre en remontant sur le nord-est, également de la Normandie jusque sur les Ardennes. Ailleurs, des éclaircies, et les éclaircies vont gagner du terrain dans l'après-midi. Les nuages devraient se morceler, là où ils étaient assez présents en matinée, puis on conserve toujours du vent. En Méditerranée, quelques flocons sur le massif central au-dessus de 500 mètres. Le rafraîchissement, il se confirme lui aussi, avec en matinée dans un premier temps des valeurs stationnaires, moins 1 Aurillac, 2 degrés à Paris, tout comme à Bordeaux, à Nantes, à Nancy, à Dijon, il fera 4 degrés en Corse. On attend 7 degrés. Ce sera pour Nice, ce sera la valeur la plus élevée. Puis la baisse des températures se met en place tout doucement à partir de lundi après-midi. Plus que 5 degrés, ce sera à Strasbourg, 8 à Paris, tout comme à Lille, ainsi qu'à Lyon. Il fera 9 entre Biarritz et Grenoble, comptez 10 à Toulouse et 13 degrés pour la Corse. Votre mardi largement ensoleillé. On surveillera quand même la situation sur le sud, le sud-ouest avec eh bien, ces précipitations sous forme de neige à basse altitude sur les Pyrénées orientales, sur le Languedoc. Le vent toujours bien présent hein, dans le sud, partout ailleurs. Donc ce soleil et donc cette baisse des températures, retour des valeurs négatives. On retrouve encore ce temps instable, mais une amélioration qui se met tout doucement en place. Du soleil radieux partout ailleurs. C'était la météo avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. Compex. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. Un an après le début de la guerre en Ukraine, série de documentaires inédits sur BFM TV. En Russie, le destin tragique des enfants volés d'Ukraine. Ramenez-moi s'il vous plaît, je veux rentrer à la maison. Poutine, la haine de l'Occident. Nucléaire, et si Poutine passait à l'acte? Et enquête sur Prigojine, le mercenaire du Kremlin. Leur contrat est terminé, vous retournez à la maison. À voir chaque lundi de février à 20h50 dans Ligne Rouge sur BFM TV. En 2023, changez pour MAF. Pour faire de vraies économies, cette année c'est décidé, on change pour la MAF. En plus, pour les démarches, la MAF s'occupe de tout. Rien à faire, c'est la MAF qui va le faire. Informations sur maf.fr et en agence. Vous avez le choix. Vous pouvez garder les vêtements que vous ne portez pas ou faire le bonheur de quelqu'un. Vendez à des millions de personnes en France et ailleurs avec Vinted. C'est sans frais. Téléchargez Vinted. Vous ne le portez pas, vendez-le. Rapide et sécurisé, Apple Pay, disponible au Crédit Agricole. Prêt pour un nouveau défi dans un secteur en plein essor ? Groupe Verlaine accélère son développement sur toute la France et vous permet de devenir un acteur influent dans la rénovation énergétique. Rejoignez-nous et faites partie du réseau d'affiliés avec un droit d'entrée de 30 000 euros. Inscrivez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Verichic vous offre les plus beaux hôtels du monde jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable au meilleur prix et profitez d'avantages exclusifs. Découvrez notre sélection de ventes privées d'hôtels de luxe et de voyages extraordinaires avec vol inclus. Inscrivez-vous gratuitement sur verichic.fr ou via nos applications iOS et Android. Comme j'aime, c'est simple et efficace. La preuve, j'ai perdu 12 kilos. J'ai perdu 15 kilos en 4 mois avec Comme j'aime. Moi, j'ai perdu 17 kilos. Et moi, j'ai perdu 13 kilos.
Et je me sens bien dans mon corps, mieux dans mes baskets, mieux dans mes vêtements. Et ça fait plaisir, quoi. Alors, si vous voulez perdre du poids, lancez-vous dans un programme qui marche pour de vrai. Venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Alors rendez-vous sur commejaime.fr ou appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37. Profitez dès maintenant de l'iPhone 14 Pro. Orange reprend vos anciens vrais téléphones. Orange. On repasse pas par le col. C'est pas Versailles ici. Wow, c'est pas Versailles ici. Et si c'est Versailles ici, les matelas Trianon en exclusivité à la Compagnie du Lit. Oui, elles sont électriques. Mais ce n'est pas tout. Quand elles se rechargent, vous vous ressourcez. Elles transforment vos premières impressions en souvenirs mémorables. Maintenant, admirez-les à nouveau. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elles sont innovantes, électriques et tellement plus encore. Découvrez les grands récits de la mythologie en édition illustrée collector. À chaque numéro, une BD et un cahier documenté sur les dieux et héros antiques. Le numéro 1, l'Iliade, 1,99€. Allez mon cœur, Vérité Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240€? Mais c'est scandaleux, monsieur. Alors je vais vous dire, moi, Direct Assurance, il n'y a pas de tu-tu-tu-lu-lu. Non, on va rester chez vous, c'est clair? Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Tu-tu-tu-lu-lu. Savez-vous pourquoi c'est le bon moment pour acheter un canapé poltronné sofa? 1. Parce que vous pouvez avoir un canapé de très grande qualité à petit prix. 2. Parce qu'il est fait à la main. 3. Parce qu'il est italien comme les experts qui l'ont créé. Découvrez nos modèles au même prix qu'en 2017. Vivez votre rêve sur le canapé-lit Vernasca pour seulement 498€. Ou offrez-vous le frisson du cuir avec Liliaro pour 1656€. Profitez des mêmes prix qu'en 2017. Poltronné sofa, solo divani di qualità. Et voilà! Bonjour, je suis un hôtel de luxe à Paris. Venez donc profiter de la vie le temps d'un week-end. Je cherche quelqu'un qui aime les restaurants étoilés, les vues imprenables sur la ville, les visiteurs d'exception, les cadres somptueux et des croissants tout chauds au-dessous du lit. Alors, laissez-vous aller et découvrez l'endroit parfait pour vous. Bienvenue à tous ceux qui débutent avec l'électrique. Et toujours 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1€ de plus sur une sélection d'occasion Renault. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité de ce dimanche. Une marche blanche a eu lieu cet après-midi à Épinal dans les Vosges. En hommage à Lucas, cet adolescent de 13 ans s'était suicidé début janvier après avoir été harcelé par des camarades de son collège. Les mots très forts de sa maman « Tu seras à tout jamais mon étoile, ayez le courage de vous battre pour ce que vous êtes » a-t-elle aussi indiqué. Nous allons bouger sur les retraites. Elisabeth Borne lâche du lest sur la réforme des retraites qui entre en débat à l'Assemblée demain. Dans le journal du dimanche, la Première ministre
annonce notamment un assouplissement sur les carrières longues pour les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Pas suffisant, critiquent certains députés républicains. Les États-Unis ont finalement décidé d'abattre le ballon espion chinois qui survolait leur sol depuis quelques jours. Pékin fustige cette décision américaine et se réserve le droit de répliquer. Et dans un instant, notre document Ligne Rouge, Brigitte Bardot, confidentiel, le portrait de l'incroyable et l'incroyable parcours de cette icône scandaleuse, emblématique de l'émancipation des femmes, puis pionnière de la cause animale, une personnalité transgressive et radicale toute sa vie. C'est à suivre dans un instant sur BFM TV. À tout de suite.